Nicolas Sirkis, donc Indochine, qui affiche près de 40 années de carrière et plus de 10 millions d'albums vendus. L'occasion pour vous, Émilie Mazoyer, de revenir sur ces années folles. Évidemment, et on danse. Dans l'aventurier, on dit que le héros s'appelle Bob Moran, mais en fait le héros c'est vous, Nicolas Sirkis, parce que pouvoir écrire des chansons qui parlent à 3-4 générations et qui font danser les gens, bien ça, moi j'appelle ça un super pouvoir, ouais, exactement. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que vous ne vous reposez pas sur vos lauriers, hein, vous pourriez faire des tournées avec vos vieux tubes, mais ça n'est pas votre truc. Vous aimez la remise en question, le danger, c'est ça votre moteur, et vous avez des choses à dire sur des sujets qui étaient pourtant déjà d'actualité il y a plus de 30 ans. Au masculin, un garçon au féminin, l'identité sexuelle, c'était Troisième Sexe en 1985, mais c'est Tomboy cette année. Voilà, dans vos chansons, on peut devenir un garçon, et c'est bien de le dire en 2017. Il y a aussi toujours des références à la littérature, ça c'est une de vos passions. Je me demande s'il y a plus de livres ou de disques chez vous. En 90, vous envoyez des fleurs à Salinger. Sur votre nouvel album, 13, vous nous parlez de Henry Darger, un auteur et peintre américain, un des boss de l'art brut. Aussi votre fascination pour l'Asie, déjà le nom de votre groupe, Indochine, et puis je pense que vous êtes un des seuls groupes au monde à avoir mis le mot Mandchourie hein, dans une de vos chansons, enfin, pas évident. Exactement. Kaobang. Ah oui, exact. Je vous aide quand vous voulez sur scène, hein, y a pas de problème. Voilà. Si vous avez des questions sur la discographie d'Indochine, Nicolas Sirkis, vous avez à qui vous adresser. Et là, sur votre nouvel album, il y a une jeune femme qui s'appelle Manju, qui est une cuisinière qui vient du Rajasthan et qui récite un mantra sur Ganesh. Enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous partagez la vedette Nicolas Sirkis en 2002 sur votre tube J'ai demandé à la lune. Bien, vous chantiez avec une petite fille. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. En 2017, une fille très très punk, qu'on adore, Asia Argento. Vous chantez avec elle sur Gloria, dans votre nouvel album. À l'assaut des jardins, ombre et diamant plus beau que jamais l'absolu, nécessité et tes cheveux dans tes yeux, les plus beaux yeux du monde nous regardent.